et si Emmanuel Macron avait de la chance dans cette campagne présidentielle de 2022. C'est le sentiment de Jean-Marc Victory des Échos. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Bon, il n'est pas encore officiellement candidat, ce n'est pas encore fait, mais ça serait tardé selon certains. Oui, ça se précise. Oui, on a le sentiment. Oui. Hein. les planètes s'alignent dans ce ciel présidentiel. Oui, alors. Pour lui, en sa faveur. Alors, en sa faveur, ça peut paraître aller dans cette direction-là, effectivement. Donc, sur la scène internationale. Il ne décide pas grand-chose oui, sur la scène internationale, Emmanuel Macron. Mais parmi les chefs d'État de gouvernement, si vous regardez les grandes démocraties occidentales, maintenant c'est celui qui est là depuis le plus longtemps. Il est là depuis plus longtemps que Joe Biden, qui pourrait presque être son grand-père. Il est là depuis plus longtemps que Boris Johnson, enfin bon. Et que, évidemment, Scholz. Oui. Voilà. Il est là depuis plus longtemps. Et puis, il a acquis une certaine stature sur un domaine qui n'était vraiment pas son domaine de prédilection. Hein. Sa voix est entendue, même si certains regretteront qu'elle ne le soit pas davantage. Donc, sur la scène internationale, sur la scène politique intérieure, ce qui se passe actuellement dans la campagne est tout de même hallucinant. On a une gauche qui est en confetti. Jean-Luc Mélenchon paraît presque un géant à côté de candidats dont aucun ne semble être en mesure de faire plus de 5% des voix. Enfin, c'est hallucinant. On va même avoir peut-être un communiste qui va faire plus qu'un socialiste, ce qui ne s'était pas vu depuis 1969, hein, avec Jacques Defferre d'un côté et Jacques Duclos de l'autre. Donc voilà, des choses qui sont vraiment étonnantes. Donc ça, c'est à gauche. À droite, on a même deux candidats d'extrême droite oui. qui se tirent la bourre, ce qui est même hallucinant. Et ce n'est pas a priori très favorable à la victoire de l'un ou de l'autre, même si on peut se demander si l'un ne finira pas par servir d'escabeau à l'autre. Et Valérie Pécresse, qui avait fait un bon début hein, en remportant la primaire, on voit qu'elle n'arrive pas à avancer. Ça patine un petit peu. Voilà, ça patine. Et on l'a vu encore dimanche lors de son meeting. Et donc, Emmanuel Macron, il a fait exploser le paysage politique il y a 5 ans. Et 5 ans plus tard, le paysage politique n'est pas reconstruit. Et ça, évidemment, ça lui facilite la tâche pour la suite, le jour où peut-être il va devenir candidat. Ou peut-être, c'est pas fait. Oui, oui, oui. Bon, après, il y a le front économique, encore une fois. Et là-dessus, les nouvelles sont quand même plutôt bonnes, même si on rappellera que tout ça est un peu financé à crédit quand même. Oui, ouais, alors les conjoncturistes, ils ont longtemps présenté le carré magique. Hein. Il y avait la croissance, l'emploi, le commerce extérieur et l'inflation. La croissance, on a fait 7% en 2021. Après moins 8 en 2020. Après moins 8, oui. Mais ce qui compte dans le perçu aujourd'hui des gens, ce n'est pas le moins 8 de 2020. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Si on prend le glissement hein, sur trimestriel, si on regarde sur 4 trimestres, on est encore à 5%. C'était les rythmes des années 1960 hein, qu'on appelait les 30 glorieuses. Donc, il y a de la croissance. Ça va ralentir pour toute une série de raisons. Mais pour l'instant, il y a de la croissance. Donc, premier côté du carré, il est bon. Après, il y a l'emploi. 625 000 créations de postes l'an dernier. L'an dernier, record absolu. Ouais. Ça ne s'est jamais vu. Hein. Ce qui avait approché, c'était l'année 2000. L'année 2000, on avait... 400 000, un truc comme ça. Non, 600 000. On avait eu 10% de croissance sur les 3 années. Sur 3 années. Donc, ça soutenait vraiment la création d'emploi. On avait aussi eu les mesures 35 heures hein, et avec donc un abaissement du temps de travail, mais aussi et peut-être surtout des abaissements de charges qui avaient incité les entreprises à embaucher davantage. Donc là, on est au-delà de ça. Et ça aussi, les gens le sentent. L'INSEE interroge depuis 50 ans les foyers, les Français, sur ce qu'ils pensent du chômage. Et là, ils ne sont pas plus nombreux à prévoir une hausse du chômage qu'une baisse. Quand on regarde par rapport à la moyenne de long terme, on est vraiment... C'est vrai qu'on en parle moins dans cette campagne, effectivement, sur le chômage, qui est à 7 et quelques pourcents, qui n'a jamais été, pour le coup, qui est moins une priorité pour les Français. Qui est moins une priorité pour les Français. Voilà, enfin, l'emploi. Le deuxième côté, il est favorable. Le troisième, le commerce extérieur, on a glosé la semaine dernière sur les 85 milliards de déficit de la France, mais c'est le déficit de marchandises. Hein, ce n'est pas le déficit total de la France. Le déficit de marchandises, c'est dû aux 2/3 au pétrole. Alors vous allez me dire, il reste 1/3. Oui, mais 1/3, c'est 8 milliards de déficit accru. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est surtout par rapport à l'Europe, ce qui montre bien que ce n'est pas un problème de délocalisation lointaine, mais de compétitivité, donc vraiment un problème de qualité
de l'offre française. C'est un vrai problème, mais ce n'est pas un problème dramatique, d'autant plus que, si vous regardez les échanges de services, l'excédent des échanges de services s'est accru de 20 milliards d'euros l'an dernier. Alors, on a beaucoup sans compenser le déficit du commerce sur les biens. Ben, c'est 25 milliards, 20 milliards. Et encore, si vous regardez les chiffres de la Banque de France, ils corrigent de différentes manières. Et on voit que ça compense en fait pratiquement. Enfin, 80 moins 25, on reste déficitaire. Oui, mais ça dépend ensuite comment. Regardez les chiffres de la Banque de France. Voilà. Et donc, ça se compense pratiquement. Donc, ce n'est pas dramatique, alors. Donc c'est pas dramatique. Ce n'est pas optimal, mais ce n'est pas dramatique. La France a un déficit courant qui est de l'ordre de 1% de son PIB. Et donc, ça se finance sans difficulté. On a vu les trois côtés, là. Sans difficulté majeure. Voilà. Alors, ça fait trois côtés. Non, mais ça fait déjà beaucoup. Oui, mais un carré reste alors, côté. Alors, il y a un côté qui est évidemment un peu plus compliqué. C'est lequel ? L'inflation ? Oui, c'est évidemment l'inflation, avec une hausse des prix qui atteint 2,9%. L'INSEE nous dit que ça va dépasser les 3% dans les mois à venir et que ça pourrait ensuite se calmer. Mais ils sont beaucoup plus prudents sur le fait que ça va se calmer que sur le fait que ça va dépasser. C'est ça, le nuage qui est noir dans cette... Les 3%. Et évidemment, ne serait-ce parce qu'on a perdu l'habitude de l'inflation. Vous n'avez jamais connu une inflation qui accélérait à 3%. Et beaucoup de Français ne connaissent plus ça. En revanche, ils voient bien sur leur fiche de paye que ça, enfin sur ce qui reste après le reste à vivre. Et donc ce pouvoir d'achat, encore une fois, qui... nous dit-on, a cru sur le quinquennat, sur l'ensemble du quinquennat, mais qui, pour le coup, est orienté à la baisse cette année, en début d'année. C'est ce que l'INSEE, d'ailleurs, nous a dit. Alors, il y a plusieurs études. Il y a une étude de l'Institut des politiques publiques, une étude du Trésor, une troisième étude qui montre que le pouvoir d'achat de la grande majorité des Français a augmenté sur le quinquennat. Si le ressenti n'est pas là. Mais le ressenti n'est pas là, en particulier chez les ménages les moins aisés. C'est eux pour lesquels le poids de l'alimentation... Et de l'énergie. Et le plus élevé, et le poids de l'énergie est le plus élevé. Or, ce sont les deux postes de l'indice qui augmentent le plus. Et donc, ces gens-là, clairement, souffrent dans leur pouvoir d'achat. Mais ce n'est pas une large majorité de la population. Donc, pour Emmanuel Macron, en tant que président, il peut capitaliser sur sa gestion économique de la crise, qu'on s'en souvienne, n'avait pas pu faire Nicolas Sarkozy en son temps, qui avait dû resserrer, faire de la rigueur budgétaire en fin de mandat. Oui, si on regarde effectivement, si on compare par rapport aux deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron, François Hollande aussi, la situation était très différente. Nicolas Sarkozy, il affronte la crise financière la plus grave depuis près d'un siècle, où il se débat comme un beau diable, en organisant le G20, etc. Sauf que derrière, il faut remettre les comptes publics. Voilà, donc ça c'était en 2008. 2011, il faut commencer... Il y a la crise qui vient sur la zone euro. Il y a des inquiétudes sur le déficit public. Il augmente les impôts, alors qu'il a répété pendant 4 ans, je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts. Il augmente les impôts de manière substantielle. Son successeur augmentera aussi beaucoup. Mais donc, il s'est présenté devant les électeurs avec une conjoncture qui était mauvaise. Ce qui ne sera pas le cas du président Macron. Ce qui ne sera pas le cas du président Macron. Ouais. Nos finances publiques, on ne l'a pas évoqué. Elles sont quand même un peu dégradées. On est quand même à 7% du PIB en 2021. La moyenne européenne était à 4%. C'est à la limite un peu l'exercice, non ? Alors, oui et non. On peut tirer la sonnette d'alarme. Vous pouvez passer le rigoriste qui sommeille en vous. Non, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on les imagine. Si vous regardez, alors la dette publique française sera accrue plus que la dette publique dans la moyenne de la zone euro. Peu de choses sera pareil. Mais à peu près pareil, on a 2 ou 3 points de PIB d'écart. Mais c'est que nous, on part avec... Ça n'est pas énorme. Le point de départ chez nous n'est pas le même. Oui, mais il y a des pays qui ont dans la situation est beaucoup plus... plus grave, commencer par donc c'est pas un sujet, la dette et les déficits donc dans ça c'est campagne. Le premier point. Et le deuxième point, alors j'étais surpris d'ailleurs de voir ce chiffre. Je pensais que le déficit structurel de la France s'était creusé davantage que le déficit. On est au-delà de 4% du PIB quand même. Des autres pays. Sur 2022, oui, mais si vous regardez, la dégradation entre 2019 et 2022, ça c'est pas trop dégradé. Si vous regardez la France par rapport aux autres pays, la France est l'un des pays où le déficit structurel s'est le moins creusé. Ce qui montre que on a lâché sur un certain nombre de dépenses qui vont devenir des dépenses pérennes, notamment dans la santé. Mais moins que les autres. Pas uniquement, mais apparemment moins que les autres. Bon, si je vous lis entre les lignes, peut-être que je me trompe, mais ça veut dire que s'il n'y a pas eu cette crise sanitaire, la conjoncture économique ne serait peut-être pas aussi favorable au président sortant. Alors évidemment, on ne peut pas réécrire l'histoire, mais ce qui se passait, si vous vous souvenez, début 2020, on avait eu même plein d'indicateurs qui étaient à la baisse. On avait une vraie inquiétude sur la capacité de l'économie française et au-delà, ce qui se passait aux États-Unis, ce qui se passait en Allemagne. On avait une vraie inquiétude sur l'activité.
Elle n'aurait peut-être pas plongé dès mi-2020, mais enfin, il est très vraisemblable qu'on aurait eu un ralentissement très fort autour de quelque part en 2021. Et à ce moment-là, pour Emmanuel Macron, ça aurait été beaucoup plus difficile parce que la situation de l'emploi aurait été beaucoup plus dégradée. Si vous regardez toutes les récessions ou les gros ralentissements de l'activité depuis 50 ans, la France a toujours eu beaucoup de mal à ce que l'emploi reparte avec une rupture assez profonde. Là, on ne l'a pas eu, cette rupture profonde. On a eu une chute de l'activité très, très brutale. Mais ensuite, on a eu un rebond très rapide et une gestion de la main-d'œuvre qui aboutit à des résultats très différents. Donc, il y a de la chance d'un point de vue de l'environnement économique. Alors, ponctuellement, oui. Voilà. Ouais. À l'instant T, c'est-à-dire aujourd'hui, le 15 février 2022, préparer une candidature dans ces conditions économiques, sur le plan économique, l'économie est loin de faire toute l'élection, mais elle compte, l'économie est tout à fait... Modulo l'inflation. Est tout à fait favorable, modulo l'inflation. Voilà, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci, au revoir.